Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo miniature, hein. C'est un moment que j'attends avec impatience, hein, tous les ans à peu près à la même période. En effet, la marque Majorette commence à dévoiler le visuel des nouveautés qui vont sortir donc pour cette année 2021. Et c'est avec grand plaisir que un plaisir de non dissimulé, hein, d'un enfant, hein, pareil, hein, que je découvre ces nouveaux modèles à chaque fois. Et donc là, j'ai fait un condensé des photos que j'ai pu trouver sur Internet. Alors la grande majorité des photos, je les ai trouvées sur, la grande majorité, toutes celles que je vais vous montrer aujourd'hui, ont été trouvées sur Instagram. Alors, on commence de suite avec cette première photo que l'on voit à l'écran. Et en fait, il s'agit de la nouvelle Peugeot 508 SW. Alors, elle est blanche. Et déjà, rien que la vue de l'arrière, elle est superbe. Donc, c'est la Sport Wagon. Hein. Et elle est très, très jolie. Donc, ça, c'est la première nouveauté. Alors, apparemment, on voit ici que le coffre est à nouveau. Donc, ça serait donc un Premium Cars. Allez, ensuite, ici, on a donc un nouveau modèle du Man Lion Coach, qui est donc un bus de transport, hein. Alors, cette année, en 2020, alors, pardon, l'année passée, en 2020, on a eu le tout premier modèle de cette miniature avec le bus du Bayern de Munich, hein, qui transporte les joueurs du club de foot. Et là, on a clairement un bus de voyage. Un bus de luxe de voyage. Hein, voilà. Donc, Lions Travels. Donc, il est dans une couleur. C'est une couleur, on va dire, qui est un peu. Je sais pas comment dire. Pas bronze, mais voilà. Donc, j'aime beaucoup cette miniature. Il est très, très ressemblant. Et très, très lourd. Hein, puisque j'ai le tout premier, là, celui du Bayern, moi. La suivante, alors là, on va hop, légèrement dézoomer pour qu'on la voie en entière. Alors la suivante, c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle Twingo. Enfin, c'est le même moule que ces dernières années. Mais c'est une Twingo dans un nouveau coloris. Donc elle est bleu, blanc, rouge. Donc vive la France. Et c'est donc un nouveau coloris qui sera disponible pour l'année 2021. L'intérieur est rouge. Et là, il n'y a pas d'ouvrant, donc c'est un modèle Streetcars. La suivante, alors là, c'est. Hop là, pardonnez-moi, voilà. Alors ici, c'est un Suzuki Jimny, donc c'est la deuxième variante. Hein. Donc la première était une version Streetcars qu'on a eu toutes les peines du monde à dénicher. Hein. Donc moi j'ai pu l'obtenir personnellement, donc j'en suis très content. Il était jaune, vert, enfin une couleur un peu inhabituelle. Et celui-ci, ben, n'est plus ni moins qu'un véhicule de secours allemand. Hein. Donc peut-être le SAMU, un Notruf 112, peut-être. J'ai déjà, avec cette inscription-là, j'ai déjà un Volkswagen Crafter, Notruf 112. Donc exactement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un véhicule de secours. Hein. Voilà. Ensuite, alors celle-ci, elle est magnifique. Et celle-ci, elle est déjà disponible. Elle fait partie de l'édition limitée numéro 7. C'est une Nissan Nismo GT3, une GTR. Elle est superbe. Alors, je me suis déjà rencardé pour essayer de l'avoir et tout, mais pour le moment, je la trouve à des prix trop chers. Et j'espère que ces prix-là, justement, ne vont pas faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas augmenter. Parce que des fois, on a des surprises. Mais elle est magnifique, cette Nissan Nismo. Il me la faut absolument. Ensuite, alors ici, on est tout simplement et tout bonnement sur les. Alors là, il y en a un seul. On est sur les trois nouveaux attelages Majo Vintage. Alors, il y a celui-ci
Donc la caravane, comment s'appelle-t-elle déjà? C'est pas une Airstream celle-ci, hein. C'est l'autre. Et tracté par, par la coxe, hein, la coxe qu'on a déjà dans un coffret, hein, vintage, qu'on a déjà eu dans un coffret vintage, qu'on a déjà eu à l'unité en blister. Et ça, c'est un des trois attelages qu'il y aura pour cette année 2021. Ensuite, alors là, et là c'est magnifique. Là c'est magnifique. Et c'est donc la Renault 5 Turbo, hein, que Majo nous a sorti la saison dernière, l'année dernière en 2020, donc en rouge. Elle nous l'a sorti en rouge comme ceci, puis en rouge avec effet rouille. Entre parenthèses, moi j'ai uniquement l'effet rouille et j'aimerais beaucoup trouver la traditionnelle, la normale. Et ici, on nous fait voir que le prochain modèle pour cette année 2021 sera en bleu. Alors apparemment, c'est une couleur qu'on appelle le bleu impérial, si je raconte pas de conneries. Alors, il y a une nuance de bleu. Vous voyez que la carrosserie est bleue, donc bleu impérial. Hein. Pour moi, c'est un bleu nuit, hein, assez foncé. Et le bas de caisse ainsi que le pare-choc est en plastique bleu clair. Ça fait une belle, belle bagnole. Après, maintenant, historiquement parlant, je me souviens bien d'avoir connu la Renault 5, puisque mon parrain en avait une, Renault 5 Turbo rouge. Mais. Comme ça, bleu, j'en ai rarement vu. Alors, j'en ai pas vu du tout même. Alors, est-ce que ça a réellement existé? J'en sais rien. Allez, la suivante, c'est encore un modèle d'un bus, un Man Lion Coach. Et là, clairement, on est également encore sur un bus de voyage, puisque vous voyez que sur le vitrage latéral, on a donc la ville de Berlin, et puis après, c'est des itinéraires avec le nom d'autres villes. Donc, ce bus fait une navette entre Berlin, si vous voulez, et toutes les villes qui sont également inscrites sur le vitrage. Donc celui-ci se rapproche, de par sa couleur, du bus des joueurs de foot du Bayern de Munich, mais toujours aussi sympa. Ensuite, ici, nous avons une nouvelle Ford Mustang dans un nouveau coloris qui est très très sympa. Donc, à n'en pas douter, ça sera une Racing Cars, vu la tempo. Donc, une Ford Mustang GT. Alors, un bleu métal, hein, du plus bel effet, un gros bandeau blanc à liseré rouge, capot toit, marqué GT sur le capot, et un cheval sur la portière, ainsi que sur l'aile, pour le Mustang, bien entendu. Numéro 54, et les rappels blancs et rouges sur les ailes arrière. Les jantes noires. Celle-ci aussi, je ne la louperai pas. Ici donc, alors on va dézoomer légèrement. C'est une Dodge Challenger SRT L4. Donc orange, métal et noir. Donc ça, c'est ni plus ni moins un modèle qu'on voit régulièrement, hein. Cette Dodge, elle est remise au parfum, mais c'est un beau véhicule. Et par contre, bon voilà, la Dodge, je suis moins adepte. Alors moins adepte, c'est-à-dire que je ferai pas des folies pour. Voilà, si je la trouve, je la prendrai avec plaisir. Si elle est trop chère, je la laisserai bien. Alors ici, là, c'est un custom, hein, comme j'ai compris. Alors, je sais pas. Je veux pas vous l'affirmer. Je sais pas si c'est un custom ou un premium cars de 2021, parce qu'il en est question aussi, donc, dans les textes. Hein. Mais comme les textes sont pas en français, bon. En tout cas, clairement, là, on est sur si c'est pas un custom, c'est clairement du tuning, hein, parce que on a des pièces rapportées là ici. Enfin, le modèle est très joli. Ça m'étonnerait tout de même qu'il soit commercialisé comme ça. Ça m'étonnerait. Allez, et celle-ci aussi, je la louperai pas. C'est la nouvelle livrée de la Nissan GT-R Nismo GT3.
Alors celle-ci est magnifique hein, aussi, il hein, faut bien dire ce qui est. Elle est magnifique. Vraiment superbe. Ah, bah, les dernières Nissan Nismo GT3 qui nous font, là, elles claquent. Et bah, là c'est pareil, hein, ça sera un Racing Cars. C'est vraiment superbe. Vivement, vivement. J'en reste sans voix, les amis. Allez, la suivante. Et la suivante, c'est une Bentley Continental en vert. Alors, ça sera la quatrième livrée. Hein. J'ai les trois premières. Bon, alors j'essaierai d'avoir celle-ci parce que le modèle, la miniature, le moule est superbe. Hein. La miniature est vraiment jolie. Vert, ça me rappelle le vert, enfin les couleurs même. Hein. Pas que le vert, hein. Les couleurs également du bas de caisse du châssis qui est en plastique. De l'Aston Martin Vantage GT8 qui nous est sorti il y a un moment, il y a quelques années, elle était dans les mêmes couleurs. Bentley Continental GT, elle est superbe. Ensuite ici on a, alors ça aussi ça me paraît un peu improbable dans cette couleur, je sais pas si, pardon, si ça va être possible ou pas. On a ici une Alfa Romeo 4C Spider, donc c'est la troisième version si je ne m'abuse. Il y a eu la blanche, il y a eu la jaune de toute beauté, et aujourd'hui c'est la bleue. Alors personnellement, c'est celle que je trouve la moins réussie. C'est une, ça sera une Street Cars. Hein. Bon, pas de soucis, si je la croise, je la prendrai, mais je ne courrai pas après non plus. Ensuite, alors là il y aura quelque chose de, par exemple, de un nouveau moule. Ouais, c'est la nouvelle Audi A1. Et ça sera l'Audi A1 Sportback. Et bon, alors là, on la voit sous les couleurs du Bayern de Munich, hein, qui sont sous licence, les Audi. Mais elle va aussi exister, sortir au moins en rouge. Une toute rouge. Peut-être dans d'autres coloris, mais au moins une Street Cars rouge. Ici, donc, on est sur les deux véhicules sous licence avec le Bayern. Donc, ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est. On nous dit. Alors, attendez, je lis parce que j'ai un peu de mal quand même à le croire que c'est un nouveau 2021 Peugeot 4007. Alors, vous aussi, vous avez du mal à le voir. C'est ce que. Pardonnez-moi, le voilà. Voilà. Ouais, je suis moins sûr. Bon, voilà les amis. Bon bah écoutez, on va rester là-dessus. Donc ça, c'est les tout premiers. Bon là, il y a une belle brochette tout de même. On peut déjà se faire une idée hein, de ce que va être l'année 2021 chez Majou. Bah, ça va être encore la course à l'échalote quoi. Ça va, c'est clair. Hein. Il y a encore là déjà sur la, je sais pas, 10-12 modèles que je viens de vous. Il y en a au moins 7 ou 8 sûrs que j'ai sur ma liste d'achat obligatoire. Pardon. Donc voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette découverte des nouveaux modèles Majorette 2021, les premiers visuels, vous auront plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous, soyez prudents. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!